Donc je disais, wesh, donc salut à tous les enfants, ici Chamallow de la chaîne Epic Crafting. Désolé, j'avais pas activé mon micro, c'est pour ça que vous m'entendiez pas. Ah là là, je suis un peu con, mais bon, c'est pas grave. Et donc ici on se retrouve pour le dernier épisode de ce walkthrough du Pokémon Rouge-Feu. On est pour le. On est au 22e épisode, et puis voilà, ça fait déjà un bon moment qu'on se connaît tous ensemble, voilà. Donc je voulais vous dire. Je voulais vous dire, pendant votre absence, j'ai farmé comme un porc pour pouvoir faire évoluer tous les Pokémon qu'on avait attrapés jusqu'à maintenant et qu'on n'avait pas fait évoluer. Je me suis permis d'établir une liste qui éliminait les Pokémon qu'on ne pouvait pas avoir dans le Pokédex. Je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir, sur les 151 premiers Pokémon, bien sûr, on pouvait avoir 124 Pokémon en tout. Donc voilà, là vous pouvez voir que c'est marqué 122 parce que c'est normal, je pense qu'il y en a deux que j'ai pas pu avoir parce que j'avais la flemme. Mais faut me comprendre, c'était vraiment un truc de malade, c'était trop chaud à avoir. Les Pokémon que j'ai pas pu avoir sont les suivants. L'évolution de Mélofée qui est Mélodelphe par une pierre lune, mais il m'a fallu une pierre lune, et comme je n'avais pas de pierre lune, et comme je ne pouvais pas avoir de pierre lune, bah, j'ai pas pu l'avoir, quoi. Donc je me suis dit, bon, laissons tomber, c'est pas grave, je rencontrerai jamais de Mélofée ou Mont Sélénite, donc bon, laissons tomber. Ensuite, il y a le Tauros que je n'ai pas pu avoir non plus, enfin, j'ai pu l'avoir, mais il fallait que je rencontre dans le parc Safari, et comme je le rencontrerai jamais, bah, j'en avais assez de payé pour à chaque fois ne pas le rencontrer. J'ai dû essayer au moins une dizaine de fois, et puis j'ai pas pu l'avoir, donc j'ai pas eu de chance. Bref, on va pouvoir jeter un coup d'œil dans les Pokémon qu'on a attrapés jusqu'à maintenant. Je vais vous présenter chacun de ces Pokémon, vous dire à quel niveau ils évoluent et tout, et où est-ce qu'on les rencontre, blablabla. Voilà, donc il y a plusieurs sortes de. Enfin, j'ai classé les Pokémon sous plusieurs sortes de classements, justement. Donc voilà, donc les Pokémon qui évoluent grâce à des pierres, enfin uniquement grâce à des pierres, hein. Après les Pokémon qui n'évoluent pas, ou qu'on rencontre, qu'on nous échange, ou les trucs comme ça, quoi. Ensuite, il y a les Pokémon qui évoluent, donc dans la boîte 1 et 2, et puis après, bon, je crois que c'est les Pokémon. Bon, ça y compte pas, c'est des Pokémon de la deuxième génération. Donc, on s'en fout, on s'en balance. Alors, on va commencer tout de suite avec le Papillusion. Donc, première évolution. Sa forme originale, c'est un chenipan qu'on rencontre dans la forêt de Jade, qui évolue en Chrysacier au niveau 7 et évolue en Papillusion au niveau 10. Voilà, ça c'est fait, c'est simple. Ensuite, Dardanian qui est son cousin, oh là là, c'est bien Dardanian, hein, qui se rencontre en tant que Aspicot dans la forêt de Jade également, qui évolue en Coconfort au niveau 7 et évolue en Dardanian au niveau 10. Voilà. Nidoking. Forme originale, sa forme c'est Nidoran mâle, voilà, qui évolue en Nidorino, pardon, au niveau 16, et qui peut évoluer immédiatement en Nidoking, hein, donc grâce à une pierre lune. Donc voilà, en gros vous pouvez avoir un Nidoking au niveau 16, ça c'est fait. Lolol, baisse de FPS, bon c'est pas grave. Kadabra, évolution de Abra, Abra qu'on rencontre où déjà? On le rencontre au nord de Azuria. Donc Abra qui évolue en Kadabra au niveau 16. Après, si vous voulez sa forme finale, il faut échanger votre Kadabra contre un autre Pokémon, et puis quand il arrivera, bon, bref, il évoluera en Alakazam par échange. Ensuite, on a Nidoqueen, évolution de Nidorina par une pierre lune, qui est lui-même l'évolution de Nidoran femelle au niveau 16, qui se rencontre au mont non juste avant le Mont Sélénite, dans la route avant le Mont Sélénite, en fait. Voilà. Feu, feu, feu. Rapace des pics, évolution de Piafabec au niveau. Attendez que j'affichisse. Je crois que c'est niveau 18. Ouais, c'est niveau 18. Normalement. Donc, voilà. Au niveau 18. Oui, voilà. Donc, le Piafabec, ça s'obtient juste au sud du Mont Sélénite. Enfin, avant le Mont Sélénite également. Voilà. Donc. Arbok, évolution de Habbo au niveau 22. ça s'obtient juste après le Mont Sélénite. En gros, c'est juste dans le petit coin d'herbe entre le Mont Sélénite et Azuria. Et pour ceux qui ont la flemme, et ben vous avez qu'à le rencontrer à droite de Carmin-sur-Mer. J'ai la flemme de dire l'est ou l'ouest. Pour moi, c'est à droite. Voilà. Ensuite, Rattata, évolution de Rattata niveau 22.
Voilà. Nosferalto, évolution de Nosferapti niveau 22. Léviator, évolution de Magikarp au niveau 22 également. Parasect, évolution de Parasse au niveau 24 cette fois. Faut pas que j'arrête de tousser. Je disais, Spectrum, évolution de Fantominus au niveau 25, youhou. Tartare, évolution de Tétarte par une pierre O, qui est l'évolution de Petitart par une, enfin, au niveau 26, voilà. Cravalanche, évolution de Raikaiju au niveau 26, qui évolue en Grolem par échange. Rafflesia, évolution de Orchid par pierre plante. Qui est lui-même l'évolution de Mysterme par une pierre. Au niveau 26, je vais me tromper à chaque fois, je sens. Hypnomade, évolution de Soporifique au niveau 28. Ça, c'est fait. Persian, évolution de Miaouss au niveau 26. 28. 28. 28, voilà, faut que j'en dise. C'est quoi le nom de ce Pokémon déjà? Merde, j'ai un trou de mémoire. Ossature, évolution de Ocelet au niveau 28. Voilà, Colossinge, évolution de Ferrosinge niveau 28 également. Machopper, évolution de Machoke niveau 28. Si vous voulez le faire évoluer, vous avez qu'à l'échanger, il évoluera en Macogneur, wesh. Aïe, putain, je me suis fait mal. Krabos, évolution de Krabi niveau 28 également. Donc le Krabi, on l'obtient en pêchant à Carmin-sur-Mer, par exemple, avec une méga canne. Yeah. Triopicœur, évolution de Topicœur au niveau 28. Tentacruel, évolution de Tentacool niveau 30, on passe au 30. Magneton, évolution de Magnéti niveau 30, youhou. Électrode niveau 30 aussi, évolution de Voltorb niveau 30. Aéromite, évolution de comment il s'appelle déjà? C'est quoi ce... Mimitos, voilà, au niveau 30 aussi, qu'on obtient dans la route qui sépare... attendez que je réfléchisse. Qui sépare chou, ça sépare quoi déjà? Oui, ça sépare l'avant-ville de Parmani, donc c'est la longue route avec tous les dresseurs qui fait venir chez le monde. Feu, Hypocéran, évolution d'Hippotrempe au niveau 34. Poisson au roi, évolution de Poissirène au niveau 30. Ah mais non, attendez, je vous dis les conneries. Hypocéran c'est niveau 32. Poissora c'est niveau 32 aussi. Dodrio c'est niveau 32. Et Aquacouac c'est niveau 33. Donc faites attention à ne pas vous tromper. Ensuite, on a Lamantine qui est l'évolution de Otaria au niveau 34, hier. Roucarnage, évolution de Roucoups au niveau 36, justement. Qui est lui-même l'évolution de Roucoule au niveau 18. Voilà, ça c'est dit. Smogogo, évolution de Smogo au niveau 36. Gros Tadmorve, évolution de ce putain de connard de merde de Tadmorve. Au niveau 38, Kabutops, évolution de Kabuto au niveau 40. Galopa, évolution de Ponyta au niveau 40 aussi. J'ai presque fini. Rhinophéros, évolution de Rhinocorne au niveau 42. Ho, ho, ho. Ensuite, il nous en reste un, qui est Dracolos, évolution de Ah! Évolution de Draco au niveau 55, qui est lui-même l'évolution de Mini Draco au niveau 30. Voilà, c'est le Pokémon le plus chou à monter. Ensuite, bon, voilà, j'ai oublié celui-là, mais bon, je le rajoute vite fait, discrètement. Donc, Florizarre, évolution de Herbizarre au niveau 32, qui est lui-même l'évolution de... Attendez que je réfléchisse, Herbizarre niveau 16. Voilà. Donc, ensuite, jetons un petit coup d'œil aux Pokémon qui évoluent par plante. Alors, pour commencer, on a notre cher petit Raichu, qui est l'évolution de Pikachu par une pierre plante. Une pierre foudre, je dis des conneries. Ensuite, voilà, donc, voilà, on retourne dans la boîte. Alors, dans les Pokémon qui évoluent par plante, il y a également ce gros doudou qui est l'évolution d'un rondoudou avec une pierre lune, donc s'il est niveau 3, vous en faites pas, c'est pas du cheat, hein, c'est totalement légal. Ensuite, Mélodelphe normalement, hein, qui est l'évolution de Mélofée que voici, par une pierre lune, donc voilà, j'ai pas le Mélodelphe, enfin ceci n'est pas un Mélodelphe. Ne vous faites pas avoir. Crustabri, évolution de Coquillas par une pierre eau. Noix de coco, évolution de Nonneuf par une pierre plante. Arcanin, évolution de Caninos par une pierre feu. Si je me trompe pas. Oh putain, ensuite on a la liste des évolis et tout. Donc, Aqualie, évolution de évolis par une pierre plante. Pyroly, évolution d'évolis par une pierre feu. Voltaly, évolution d'évolis par une pierre foudre. Je l'ai pas là, mais on s'en fout. Normalement, en fait, comme s'il était là, parce que je le retrouve plus, mais je sais que je l'ai. Et l'évolis en lui-même qui est donné derrière
Le manoir Céladon, donc par la porte de l'avant. Normalement, vous étiez là, donc vous savez. Ensuite, ces Pokémon-là. Donc, Canarticho s'échange à Carmin-sur-Mer. Attendez, je vais vous montrer où. Je vais vous montrer où on peut avoir tous les Pokémon par échange, comme ça. Hop, hop, hop. Donc, normalement, le Canarticho s'échange contre un Piafabec, avec cette petite fille-là, voilà. Non, elle n'est pas échangée avec le Pokémon, c'est dommage. Ensuite, on a attendez que je puisse. Faut que j'arrête de parler, j'ai la tête qui tourne. Ah, je suis perdu. Ouais. Donc, ensuite, on a le Monsieur Mime qu'on échange contre un Abra. Enfin, on échange contre un Abra quelque part par là. Attendez, je crois que c'est ici. Hop. Donc en gros, si vous voulez avoir le Monsieur Mime, il vous faut aller ici, voilà, hop, je vais pas récolter les Pokéballs, on s'en fout, loupi, voilà, hop, vous devez avoir la CS Coupe, hein, je vous signale. Voilà, hop, vous passez par là, hop, et puis après il vous échange normalement je crois que c'est lui, voilà, c'est lui qui nous échange le Monsieur Mime contre l'Abra. Ensuite, on retourne à la maison, foufoufou, je disais, hop, 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 non. Voilà, donc Exelang, troisième Pokémon à échanger, qu'on échange. Attendez que je réfléchisse, je crois qu'on l'échange contre un Aquacquack. Et on l'échange dans la maison qui est ici. Voilà. Zou. Ta-da-da. Voilà. Likitung. Likitung, c'est Exelang, qu'on échange contre l'Aquacquack, contre ce gars. Donc voilà, il nous en reste plus qu'un petit paquet à vous présenter. Après, on aura terminé pour les Pokémon. Oui, je pensais que c'est pour les Pokémon. Donc, Kikli, c'est un cadeau du champion du dojo. Voilà, je vais aller vite. Ptera, c'est un fossile qu'on obtient dans le musée. Mais normalement, vous étiez là, donc voilà, ça se fait. Articodin, un Pokémon légendaire qu'on rencontre dans les îles Écume. Lipoutou, qu'on rencontre dans les îles Écume aussi, je crois, normalement. Sulfura, qu'on rencontre dans le mont Braise, hein, voilà, sur l'île 1. Hector qui m'a qui m'a enfin voilà, j'ai galéré comme un fou pour l'attraper. À la centrale, le Vénard qu'on rencontre dans le parc Safari, ça c'est cadeau du casino. Oui, il faut beaucoup de fric par contre. Ça c'est cadeau du mec dans le manoir, non, dans la Sylphe-Sar, voilà, c'est ça. Merde, merde, merde. Kangourex, parc Safari, voilà. Un sécateur, parc Safari. Electek Park voilà. Central, j'allais faire la faute. Sac de nœuds qui se capture juste derrière notre village, voilà. C'est dans la petite truc d'herbe, la petite truc d'herbe qui se situe entre oh là là, c'est quoi le nom de cette ville déjà? Bon bref, c'est juste l'herbe qui est juste derrière notre maison. Bon, attendez, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Voilà. Donc vous allez ici pour avoir votre sac de nœuds. Voilà. Hop, vous allez ici, et normalement, vous avez un sac de nœuds. Hop, voilà, ça c'est fait. Voilà, ne faites pas chier. Excusez-moi. J'ai pas envie de faire Maracaï des bacs à sable, hein, vous me comprenez, c'est juste que ça fait un peu longtemps, et puis, bon, voilà. Onyx qu'on capture dans n'importe quelle grotte, et puis voilà, ça c'est fait. Ensuite, bon, voilà, après, je crois qu'on a tout fait, on a fait le tour. Voilà. Alors, voilà, ça c'est fait, on a fait tous les Pokémon, merci d'avoir écouté pour les Pokémon, pour ceux qui veulent partir, vous pouvez partir, hein, je vous retiens pas plus longtemps. Ensuite, pour ceux qui veulent savoir, je vais vous dire où avoir certains objets, donc voilà. Alors, la pièce rune s'obtient, attendez que je réfléchisse, elle s'obtient ici, normalement. Donc voilà, vous allez à Céladopole, et puis après vous allez ici, vous parlez au mec à quatre yeux. Et il va vous donner une pièce rune. Youpi. Ensuite, le multi-XP, qui est un truc très très précieux pour faire monter des Pokémon plus rapidement. Wouhou. Vous allez aller ici, à Parmani, vous allez aller dans la maison. Et vous allez parler au mec à quatre yeux. Il vous donne aussi un multi-XP. Youhou. Ensuite, ça on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ah oui, alors la carte de la ville. Faut parler à la sœur de Régis au début. Bon, ça vous savez. Ça vous savez, ça, en fait, non, je sais pas si, bah non, vu que vous étiez là pour jouer le trou, c'est pas bien que je vous fasse le récapitulatif. Bref, je crois que cette fois on a vraiment terminé. Alors, écoutez, je vais vous dire, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis voilà. Donc, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos avec vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout pour ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout. Ah ah ah, et voilà.
Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain walkthrough qui sera des walkthroughs sur d'autres jeux vidéo, hein, peut-être de Pokémon, peut-être d'autres choses, je peux pas savoir. Donc oh là là, c'est toujours dur d'appuyer sur le bouton arrêter. Ah non, en fait c'est facile. Voilà. Allez, salut!